parfois tu te demandes pourquoi les jeux vidéo c'est pas fait par des studios d'animation japonais. Parfois tu te dis on aurait un tel point de détail. Et on peut même faire la musique qui va avec. Et c'est sûrement ce que se sont dit les développeurs de... Oh, quel jeu qu'on va découvrir aujourd'hui. Oui, ça c'est moi. Ah, en laissant les empreintes sur la musique derrière, vous pouvez pas contredire le truc. Oh, qu'est-ce donc? C'est un joli petit platformer qui ravira les mômes surtout. Et émerveillera les parents, parce que c'est quand même une petite perle d'animation, il faut dire. Vous allez voir que c'est très très agréable à parcourir, même si ça reste de la plateforme, et c'est une forme de stress pour Monsieur K, bien sûr. Alors, on peut sauter. Sauter sur le décor. Ah, j'avais pas menti quand je vous avais dit. On va faire de l'animation et du jeu vidéo en même temps. Tu viens avec moi, gros? Tu m'emmènes? Ok, tu viens avec moi, toi. C'est pratique pour monter sur les obstacles un peu trop haut pour ma petite taille. Alors, il est probable que le jeu n'épargne pas la réflexion, méfions-nous. Mais c'est trop les gars, c'est trop, on peut pas là. Et gros, viens. C'est bien élevé ces bestioles. Là, tu te stationnes là, juste en face de moi, regarde. Hop, top. Non, bah oui, bah j'ai merdé, mais ça arrive. Et tu m'attends? Non, me suis plus. Donc j'avais pas menti hein, quand j'avais dit que c'était une petite merveille d'animation pour les parents. Ce qui fait que regarder le jeu pendant que le môme s'amuse, c'est peut-être pas un défaut. Puis en douce, quand le môme pionce, hein, vous avez le droit. Ne se cacher rien. Tu viens avec moi, gros? Bah oui, si t'es là, c'est que tu sers à quelque chose. Hein, on la connaît, là, on vient. Je te dis que le porc enfant. Gros! Oui, c'est con. Ah, il ne dit rien, là. Il se faisait une partie de cache-cache à lui tout seul. Alors c'est très très rigolo parce que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps un jeu déjà beaucoup inspiré par les studios Ghibli. C'est définitivement devenu une thématique dans les jeux de plateforme. Et vu qu'on peut pas trop renouveler le gameplay, qui reste toujours à fait à base d'adresse et de saut, les gens s'appliquent à donner un genre, un type au jeu qui est vraiment sympathique. Ça c'est de la carte les amis. Nous avons un vert moustachu là-haut, ou en colère au choix.
Une larve. Ouais. Oui. Oui, monsieur, quelle est la plateforme, vous le savez bien. Un papillon, pourquoi faire? J'en sais rien, mais... Il y en a plein. Ça mérite. Quelle manette qui queen, c'est dans votre tête. Alors on l'entend plus trop moufter, monsieur K. Est-ce qu'il est conquis par le jeu? Non, pas du tout, je regarde, moi, je suis curieux. Le mec qui essaie de rester neutre et distant. Ça va peut-être marcher un moment. Oh. 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 Oui, tous les passages que j'adore dans les jeux. Ah, oh, putain. Et voilà, suffit que je vous parle. Et c'est moisi, je n'y arrive plus, quoi. Je me tais. On se retrouve là où il n'y aura pas de difficulté. Ce fail était volontaire. Pour faire voir que je pouvais le faire. Oui, vous aviez cru que j'allais m'emmerder à choper la troisième série de clochettes. Mais dans vos rêves les gens. C'est pas passé, hein. Oh là là, mais pourquoi? C'est pour vérifier que j'ai bien assimilé le fait que je suis une buse en... Oh en plateforme. Mec, tu peux pas me faire sauter jusqu'en haut direct? Parce qu'on va y passer 2 jours, là. Stop. Allez, fais pas ton rat. Ouais, là, je suis bon. Hein? Non. Hein? Hop, 2 secondes. Oh putain, mais pourquoi j'ai dit oui?
Mais cramoisi devant cet obstacle qui ne se laisse pas dompter si facilement. Vous voyez? Il y avait un temps, les gens, à l'entrée de leur porte, ils mettaient une clochette. Oh putain, faudrait pas que je merde. Ils mettaient une clochette, et en fait, c'était juste dramatique. Parce que. En fait, faut vraiment cliquer la dernière seconde, je crois. Il mettait une clochette et je lui dirais après. On est passé, les gars, on est passé, faut pas que je tombe dans un trou, surtout pas. Oh, le papillon sphinx. Non? Bon, j'ai rien dit, ok. Non, j'y vais, je t'ai dérangé. Oh. Ça va, c'est plutôt amical. Ils sont tellement amicaux, ils m'ont ramené au début du niveau, quoi. Alors je me suis fait chier à traverser tout le truc en mettant une demi-heure. Putain, mais qui sont cons ces insectes. Carte. Ah mais c'est ça, ils m'ont ramené là, quoi. Je sais pas si j'ai envie de reprendre. Je vais aller dessous si j'ai le droit, mais je crois pas, c'est barré par ce. Un pistolet à libellule. Vous me dégoûtez, vous me dégoûtez, je vous réprouve tous. Il faudrait que je monte plus haut, il y a un endroit où j'ai pas encore été testé. C'était. Attendez, voilà, ça va me revenir. Boring. Question. Plutôt genre. Je peux point ressortir ici, c'est étrange. Mon Dieu, je me suis bien cassé la margoulette. Ok, c'était ça en fait, que je voulais juste vérifier. Et j'ai eu ma réponse. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais là. Comment je me suis démerdé l'autre fois pour monter? C'est la bonne question. Je sais même plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Understood. Donc j'étais pas venu ici. Bah, je vais aller voir quand même du coup ce qu'il y a là. Ça me permettra de mourir moins bête. Faire avec ma carte. Je commence à plus rien comprendre où je suis. C'est bon. Ok, je vais essayer quand même avec lui parce que je veux pas mourir idiot. Bah, on est là pour expérimenter le jeu, les amis. Hein. La souffrance, tout ça, on connaît pas. Regardez, il nous invite à faire le con. Merde. Faites, faut passer au bon moment. Et le bon moment, c'est là. Alors, bande de crêpes. Elle fait moins la maligne, la mamie bretonne. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, c'est ce que je devais illuminer, nom de Zeus. La larve doit se réveiller. Oui, j'ai vu Dune récemment, c'est normal. C'est un petit peu différent, c'était un vert, hein, il est resté vert dans Dune. Eh ben j'ai bon là, je peux y aller? Ouais, on peut aller voir le grand babu, pas content. Allez, on va aller le réveiller. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. N'empêche, ce jeu, vous le laissez traîner négligemment sur une table. Avec des enfants pas trop loin. Des enfants pas trop loin. Eh ben, mine de rien, il y a des chances que. Il n'y ait pas besoin de leur indiquer que c'est dispo et qu'ils peuvent le squatter. Ils seront déjà dessus avant même que vous ayez songé à avoir l'idée. Et vous, vous serez un petit peu énervé parce que vous vous direz, ouais, j'irais bien jouer, moi, merde. Salut gros. C'est toi que je viens voir. C'est toi que je viens voir. C'est toi que je viens voir. Et ça, c'est vraiment moi. Et ça se sent. Ça se sent. Ça se sent que c'est moi. Et après j'ai fait la bombe humaine, mais c'était autre chose. Ok, hop hop, on y va les vieux. Oula, faut qu'on enseigne le double jump.
Et il faut que je récupère les papayons. Oui, les papayons. D'accord, mais t'arrêtes de m'appeler mon chou, parce que c'est ce Big Game of Ski, quoi. Non ? Bon, d'accord, mon chou. Allez, chouchou. Pourquoi lui, il est l'envers ? Boing. Moi, je suis qui fait descendre. Ah ouais ? Genre ? Là où tu regardes ? Ok. Non. Oh, d'accord. Mesdames, ce jeu serait-il en train de fonctionner vraiment? Monsieur K serait-il subjugué par la beauté naïve de ce titre, son côté maniable plateforme et son aventure qui n'ose se dévoiler d'un coup? Vous le saurez après une réclame. Rester un moment là, non? Ça avait l'air sympa, carte. Un passage à gauche, normalement encore. Oh là là, ça ressemble étrangement à quelque chose. Il me manque un papayon. Mes amis, on va pas se laisser grailler la feuille par un papillon. Où vais-je aller? J'ai tout fait ici? Ok, vous êtes sûr. Ok, moi je redescends là. Papayon, papayon. Pourquoi je prononce papayon? Et pourquoi pas? Je boude. Officiellement, je boude. Et toi, viens voir. Il manque un papillon là. Je suis comment? Tu voudrais pas venir te mettre à l'endroit ici que je puisse sauter au-dessus là? Il manque un papillon, mec. Je suis désolé. Désolé, vraiment. Quoi? Il serait dans la salle à droite? Non. Dis-moi pas ça. Non, je veux pas de ton dos, toi. L'aurais-je oublié en montant tout à l'heure? C'est une fort probable possibilité. Parce que je vous avais parlé d'un passage sur les feuilles que je n'ai pas emprunté à droite. Et le voilà! Le fourbe, le traître, le dodécaphonique. Oh, frag, je suis à 5. I'm at 5. And it's cool. Oh merde. Et maintenant, allons voir la suite de l'aventure. Oui, 5 papillons. Je vais apprendre ma nouvelle capacité, ce double jump! Oui, je vais pouvoir franchir cette falaise. Oui, je vais retourner là-bas et sauter sur le vieux scarabée. Je serai gentil avec lui car il m'a sauvé la vie, je sais. C'est ce qu'on appelle couramment un double jump. Alors, faut redescendre tout en bas, il me semble, c'est ça, hein? Yes. Je t'aurai, ton tour viendra, t'inquiète. Non, mais il faut leur causer comme ça. Non, je veux pas. I don't want. Ah, je suis trop bas maintenant. Non, je suis bien. Hé, hey, vieux scarabée, vieux scarabée. Ouais, c'est un peu de gagner là. Tu veux pas m'aider? Genre, tu te mets par là. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Bouge pas. Merci. Voilà.
Une mission accomplie, proprement. Tu es bien dans TBG, la chaîne des vieux handicapés, qui essayent de jouer à des jeux vidéo en faisant croire qu'ils comprennent tout. J'ai une nouvelle carte, et je vais pouvoir me paumer dedans. Alors je vous en fais voir un bout, mais ça restera à vous de... Bah, je vais refaire la carte. Ça restera à vous de découvrir tout ça. Vous avez pigé des concepts du jeu. C'est vraiment zen, hein. C'est calme. C'est rigolo, ces petits changements d'échelle tout le long du jeu. C'est parfaitement symétrique, ça. Je pense que ce sera un joli plaisir à partager en famille ce petit titre. Qui, de premier abord, paye pas de mine. Du second, ne va pas réinventer la plateforme, mais le fait tellement gentiment, tellement joliment. Mais qu'est-ce que je m'emmerde des fois?